À présent, nous allons continuer notre réflexion, notre vénération de Marie sous une autre forme. Parler de Marie, c'est constitue pour certains un agacement. Pourquoi ? Parce que il voit là une forme d'idolâtrie. Ce serait faire de Marie une déesse. Pour d'autres, on occulte la personne de Jésus, c'est-à-dire on prive Jésus de ce dont il a droit. Ou encore, d'autres considèrent que la vénération de Marie, la prière à l'égard de Marie, envers Marie, constitue une sorte de mièvrerie, de sentimentalité. Si parfois on a pu tomber dans des excès, il ne faut pas que, en voulant éviter l'écueil, eh bien, matin nous l'avons dit, c'est une créature qui a partagé en tout notre vie, joie, peine, souffrance. Mais c'est aussi une femme exceptionnelle. Dans le « Je vous salue Marie », nous l'avons répété déjà des dizaines de fois, nous avons dit « pleine de grâce », ce qui veut dire qu'elle est une créature nouvelle, sur qui le venin du mal